Salut tout le monde. Bon, on va s'y mettre. Je suis un petit peu à la bourre, je suis désolé. Allez, on va lancer le jeu. Alors, hop, il est où? C'est parti. Bon, métro ce soir. Métro Redux. On va voir ce que ça donne. Créer partie. Salut Sanjana. Ah ouais, tu arrives pile poil. Alors, survie spartiate. Oh, on va rester en survie. Hein. Et en normal. Je suis toujours très ponctuel. Alors, régler le curseur pour que l'image la plus à gauche soit à peine visible. Ouais, c'est très bien. Le tunnel se refroidissait. Je vous l'ai mis en français parce que je suis sympa. D'habitude, je joue toujours avec le jeu en VO. Bientôt sous les J'étais même tenté de le mettre en ukrainien, ça aurait pu être sympa. Quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon Alors, voyage oui, je suis une tout mouillée, ouais. Mais bon, si c'est pour faire le premier niveau 14 fois, c'est un petit peu dommage. On est là aussi pour apprendre à connaître le jeu et voir un peu ce que ça donne. Allez, on va avancer. Artyom, quand t'as quitté ta station d'origine, bonjour, des fesses. Pouvais-tu bien imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil, ne sachant pas si nous allions sauver c'est notre bon, monde quelque chose. Ou l'envoyer tout droit en enfer? Juste oublié de mettre le son sur mon micro, donc laissez-moi juste un instant, ça va être plus agréable. Hop. Voilà. C'est reparti. Il faut franchir l'avant-poste militaire pour rejoindre la surface, Arkham. Quelque chose bouge dans la pièce suivante. Qu'est-ce que c'est? Je te couvre. C'est là-bas? Non, c'est pas là. Alors. Hop. Bon, le jeu a bien été refait quand même. C'est plutôt sympa. Alors, je vais suivre les conseils. Je vais suivre les conseils et fouiller un petit peu partout. Ouvre la porte. Je te couvre. Oui, couvre-moi, couvre-moi. On va un peu tout trifouiller. Ok, là, j'ai fermé. Il est très beau ce jeu, n'empêche. Ils ont bien refait leur truc. Les effets de lumière sont plutôt sympas. Le côté poussière. Il n'y a jamais rien qui marche par ici. Utilise ce système manuel Alors. Pour ouvrir la porte. Ouais. Ici, il tourne. Ouais, ils ont fait du beau boulot. Ouais. Pour l'instant. Allez. Alors en Russie. Qu'est-ce que c'est que j'ai un flingue? Ok, faut fouiller. Comment je m'appelle? Artyom? J'ai l'impression que j'ai un. Quand même, P95? Artyom! Un peu à tes souhaits quand même, non? Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va rallumer un. Hein. Oui, Poutine. On va pas ouvrir. Wouh! On va descendre. On va tirer un truc en bas. T'as échoué. Bon. Non, mais j'ai pas échoué, j'ai fait exprès. C'est la voix de qui ça? Dis quelque chose, te vois. Hop là. Le Kiki. Okay. C'est parti. Alors, on met le laser sur les fesses. On dirait qu'il y a personne. Alors. C'est quoi le bouton fin? Ah ouais. Il est défoncé mon masque à gaz.
Alors. C'est comme. Je charge mon arme. Ouais. Ils approchent. Ah meurs toi. Ouais. Eh les rats sont plutôt gros ici hein. Allez. Aïe. C'est pas du poulet ça. Ok. Bah ça commence bien. Il y a combien? Ne tire pas du tir, mais je vais quoi alors? Attends, on m'a dit fouiller, je fouille. Chut, arrête de râler. Oh, le petit effet de goutte de transpiration est pas mal du tout. Et voilà. Oh, c'est pas là. Allez, on va ouvrir. Oui, oui, je suis prêt. Allez, quittez-le. Et c'est quoi comme espèce? Et le voici, Artyom. Alors. Notre but. Bravo, Bullman. Bravo. Et c'est pas mal, j'ai joué 30 secondes à l'ancien, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus beau, hein. Nous sommes à la tour de télévision, je répète. Nous sommes à la tour de télévision. Le groupe a-t-il évacué? Terminé. Alors. Affirmatif, contact établi. Elle fait quand même vache. Il devrait être près de la tour de télévision. C'est le soleil ou la lune ça? Parce que ça fait quand même vachement de lumière. Reçu. Nous vous recontacterons du haut de la tour de télévision. Eh hey, quoi, qui sert? C'était quoi ça? T'as pas à conduire oh. Alors. Lui pépère. Bonjour. Ah bah ouais. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était mon cul. Qu'est-ce qui se passe? Enfin je sais pas, t'as loupé quelque chose ou quoi? Tous en cercle. Ouais, c'était quoi ça? D'accord, c'est un troupeau de bestioles. Restez calme. Surveillez vos arrières les gars. Ok, ça sera plus dur que la bibliothèque. Bon, ils arrivent. Merde, fais à volonté. Allez, couvre-moi parce que là. Tenez la position. Pas à bouger, pas à bouger. Aïe. Oh putain. Aïe. Quoi déjà? Ah oh, c'est scripté. Des démons. Que à. Parce qu'en plus il vole, c'est con. J'avais pas fini de la payer. Non. La vie était dure, ah, ouais. Tunnel, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante, toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait sur la station. Je venais d'avoir 20 ans. La vie. Jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la brigade. De mon père adoptif, d'accord. L'ambiance est plutôt sympa, hein. Ça se laisse porter pour l'instant.
Et en plus, il y en a deux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les alternerai peut-être, et je pense que je reviendrai dessus pour peut-être faire tout le scénario, et voir continuer avec le 2. Je crois que c'est les noirs... C'est raciste, hein. Ouais, c'est vrai que le jeu est vraiment très très beau, quoi. Bonjour, Arthur. Je suis flippant. Enfin réveillé, je vois. Hunter. Tu dors ? Il doit avoir des nouvelles des autres stations. Bien. D'accord. Le mec était bien assis quand même, parce qu'il y a l'air. Hein. Hop, entrez. Allumer la lumière. Ouais, il y avait pas l'action. J'ai l'impression de retrouver un peu un gameplay à la. À la BioShock ou à la Fallout, bien que j'y ai joué. J'y vais pas jouer longtemps à Fallout, mais le fait de pouvoir un peu interagir, voire même bonjour Artyom. Bonjour. Ils en prennent avec les yeux les gens, voire avoir Duke Nukem à l'époque. Si on va dans le trou, fait caca. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il fait lui? Hé, hey, tu fais quoi? Alors. C'est fermé. Bon, les droits. Et là, c'est fermé aussi, j'imagine. C'est fermé. Hop. Je l'ai bonnet. T'as une gueule, toi? Sergei, vous avez vu mon Sergei? Bonjour, Arthur. Pas de panique. Notre patrouille a été attaquée la nuit dernière. L'hôpital est plein. Il est content, lui, quand même. Mais restez calme, allons-y, pour maintenir l'ordre. Alors. Et Alexei, il était à l'avant-poste. Pas de visiteurs. Mon frère. Oh merde! Alexei, il était. C'est vous? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Le docteur n'a rien dit. Ils ont vraiment des drôles de gueule. Allez, allez, on vit. Bonjour, Artyom. Eh? Toujours rien. Il y a des trucs à piquer là. Donnez-moi le crayon. Non, rien à voler, c'est nul. Comment vont les blessés? Bah, ils sont blessés. Ils s'en prennent à l'esprit de leur victime. Quoi? C'est qui tôt ou tard entraîne la mort. Ils s'en prennent à l'esprit de leur victime. Attendez. Ouais. Non, on fouille un peu les cadavres. Ça leur servira plus. Ben oui, c'est ce que j'essaye de faire, de détrousser les blessés. Ils rentrent dans la tête des gens. Ça aurait pu être pire, ils auraient pu rentrer en transport. Un petit peu raide le rideau. Il va falloir arrêter de la bidon. J'ai une recette de grand-mère pour la lessive, ça va être beaucoup mieux. Ok. Hé, hey, le survêt de fou! Année 90! Non, il y a vraiment rien à piquer. Hein. Pourquoi je suis. Ah ouais, ok. Non, rien à piquer. Bonjour, je suis un mutant, ouvrez-moi! C'est plus une possession, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est un cadeau? Merci. Fermez cette porte. Ça faisait un bail, Hunter. Alors... Bonjour, Artyom. Pas mal, ça, là, Sam Jonah. Qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur? S'il vous plaît. J'entends surtout parler de VDNKH et des morts vivants dans vos tunnels. VDNKH, c'est quoi? C'est vie de merde? Casse ton casque. Artyom, j'ai rencontré un vendeur de vieilles cartes postales de New York. J'ai pensé à ton mur. C'est trop sympa. Ces créatures mutantes sont différentes. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est pire encore. Pour remplacer cet archevin, c'est une bonne idée. Bref. Quel qu'il soit, mon ordre a pour devise. Si l'adversaire est hostile, tu le. Alerte intrus dans le conduit d'aération principale. Ils arrivent par en haut. Merde.
J'ai un flingue. J'ai un flingue. Kirill, emmène ton groupe dans les tunnels. Hunter Alex, et moi. On doit rester ici et défendre le hall. Très bien. Arthur, ouais. Profite une arme. Pousse-toi. C'est tout. Oh les radins. Bon sang, ils s'aventurent jamais si loin dans la station. C'est l'hôpital. Ils sentent le sang. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et la montre, elle est pas mal. Ok. Oh putain, il est à fond de tous les sens. Wow. Ok. Il est passé par où? Ah ok, ils sont passés par là. Ok. Je savais que c'était une aération. C'est sans espoir. J'aimerais bien avoir d'autres armes. Eh hey, oh oh. Va chez ta mère toi. Et je suis en normal là. Artyom, ça va? Il y a du monde pour du normal oh. C'est un bon tireur le petit. Il est un peu trop paniqué pour son mouvement. Juste les déchets habituels. Même si tu les vois pas, les sombres sont là. Les sombres. Leur arme, c'est la peur. Il brille un peu trop lui. Elle fait fuir les Nosalis comme des rats dans les tunnels. C'est pas beau. Mais les Homo Novus, la prochaine étape de l'évolution. Tu connais la dureté maximale. Qu'est-ce qui te prend, Alex? Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Bah tiens-tu. Tant que je suis en vie, je me battrai. Et j'emmènerai d'accord. Plusieurs de tes Homo Novus avec moi en enfer. Homo Novus. Tu te prends vraiment pour un cow-boy? Ouvre les yeux, Hunter. 10 soldats, entraînés au combat. Leur corps brisé. Bah allez, on s'en fout. Ils ont détruit le poste de garde extérieure. Ah, t'arrives après la guerre, toi. Hop. Je... Eh hey, mais c'est un bordel ici. Ah non, c'était déjà comme ça. Le mec, il court peut-être un peu trop facilement avec le barda qu'il a sur le dos. Bah ça commence un petit peu, j'ai une ou trois scènes d'action. C'est vrai que c'est très scripté quand même. Hein. Je vais partir en reconnaissance. Écoute, Artyom, si je ne suis pas revenu dans la matinée, attends plus longtemps. Je vais à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik. Allez. Il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, Artyom. Je compte sur toi. D'accord, le 2 est moins scripté. Merci. Je vais garder ça avec moi. Cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends? Ok. C'est le badass. Hunter n'est pas revenu. Pas évident de trouver une excuse pour quitter la station et me rendre jusqu'à. Eh ouais, belle badass, hein. Oh oui, ta femme. Je prendrai très soin d'elle. Ah ben René, t'es mort, t'es revenu. Enfin, t'as pris ton temps comme d'hab. Ok, prends ton matos. Hey, bonjour. Ils nous attendent. Je bouge comme ça. Je rejoins là-bas. Hey, Artyom. Qu'est-ce qui... N'oublie rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des mecs qui font le screen, les motion capture? Ok. Hop, petit clin d'œil, le bouquin. Bon,
Bon, à mon avis, ça c'est les développeurs du jeu. Ouais. Ok, allez hop. Sympa cette musique. Ah bah ouais. Pourquoi ça, c'est pour me l'a donné contre une tonne de munitions. Ah, mon avis, dit de me méfier de toi. Je sais, la maison où tu aimerais habiter avec ton papa et ta maman. Allez. Une maison ? Une grande ? Et quand ta maman reviendra, on lui montrera. Et quand ta maman reviendra, je lui ferai sa fête. Je serais le plus heureux des hommes. C'était pas une femme qui parlait là? Ah non, mais là, raconte. Pete, je suis pas sûr qu'il y avait un Pete ici. Un Piotr peut-être. Tu me traites de dégueulasse? Et toi, t'es qu'une merde. Ça traite les hommes de dégueulasse. Ça marche et ça laisse des sales traces partout. Et c'est Bibi qui devra. Ah bah oui. C'est pas très propre ici. Ça se voit. Ah bon, je peux courir. Allez, je peux pas aller par là. Artyom, s'il te plaît. Mon fils est malade. Tu pourrais pas me passer quelques cartouches? Je te remercie. Que dalle, crève. Hey Jason. Ok, c'est le marché. T'as encore vu? Debout, gros là. Alors. Prenez votre temps, pas de problème. Tu bois pour oublier tes soucis? Ok. Eh ben t'en auras des soucis si tu rentres pas illico. Ça marche. Ouais. Vendre? Non. Bon. Excellent choix. Laisse-moi, je vais me dégoûter. Donne des cartouches. C'est qui m'a demandé des cartouches alors? La procédure habituelle. Sur le terrain. Votre arme est votre meilleur ami. Tiens. Merci Artyom. Je cool. Savais que je pouvais compter sur toi. Je suis un mec à la cool. Artyom, où est ton matos? Va à l'armurerie et équipe-toi. Salut Artyom. Alors, bonjour. Bonjour Artyom. Il te faut les armes? Ok, voyons un peu. Alors. Mitraillette, calibre 5.45. Fabriqué à l'arsenal. Faible précision et surchauffe facile. Une vraie gonzesse. Je peux avoir un truc mieux, non, non. Toujours de contre-rafale, Artyom. Prends quelques munitions aussi. Je peux avoir le flingue de tout à l'heure, universel pour alimenter les batteries. Et un masque à gaz. Porte-le dans les zones à forte radiation. Ou, Dieu te garde, monte en surface. Des trousses de secours. Au cas où. Ouais, donne. Ok, te voici équipé, mon ami. N'hésite pas à essayer ton arme sur mon champ de tir. Ok, et tâche de pas te faire repérer, d'accord? C'est quoi ce bruit de merde? Bon, allez. Tous des guitaristes ici. Allez, on s'en fout. Donnez-moi des cartouches. Ouais, ouais. Bah, ça va, je reviens. Alors. Bon, on va commencer. Allez, c'est parti. Oui. Bien. Tu sais sûrement que notre station prépare une alliance avec Riga. On s'en fout. Avec des denrées humanitaires, des armes et des équipements divers. C'est la cargaison que tu vas garder. Ça devrait pas être. Ouais, allez. Ni trop difficile. Artyom, une dernière chose. Je vois bien que t'admires Hunter. La vie des Rangers est différente de la nôtre. Ils sont imprudents, voire violents de nature. Alors. On gagne rien à jouer les héros. Alors reste en dehors de tout ça. Je veux ça, moi. Donne-moi, donne-moi ton flingue. Aussi vite que possible. Donne-moi ta gueule. Ah, c'est papa. Bon. Au revoir, papa. Bon, je vais par où? Il n'y a pas de porte. On va aller par là. Tiens cette échelle,
Alors. C'est par là, non? Je vous salue. Alors, je louche. Je suis prêt à y aller. Vous êtes prêts? En avant. Je veux que j'aille monter sur son dos. Assieds-toi là, Artyom. Et toi, Eugène, mets-toi ici. Vous avez rien oublié? Bon, t'as le matos? Allons-y. Oh, je vais pomper. Eh, hey, les mecs, vous allez à Riga? Ouais, en effet. Vous pouvez me déposer? Toi, tu vas mourir. C'est pas gratuit. Vous devrez actionner le levier de temps en temps. Je peux le faire. Alors, allons-y. C'est trop cool. Allez. Très bien. Bonne chance à ceux qui restent. Et à nous aussi. Ah, allons-y. Souhaite-nous bonne chance. Bon, vous êtes prêts à être enfin. Ah, ça, c'est lui qui pompe. Waouh, Artyom! Enfin libre! Pendant la durée du trajet, en tout cas. Ça devrait être sympa. Alors. Ou dangereux. Ou encore mieux, non? Pas mourir, non. C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma station d'origine. Ça me tracassait de ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement après Riga. Mais Hunter comptait sur moi. Allez, on avance un peu. C'est pas le maire. Alors, d'où vous venez? C'est pas parce que c'était le maire que t'es mort, c'est parce que c'était toi. Je vais m'attourner. J'achète des marchandises. Vous avez dû voir du pays alors? Pas sûr. Le marché est juste à côté de Riga. Et c'est une grande station de métro. Le mec qui part en courant dans l'autre sens, c'est pas une bonne idée. Pour s'y rendre maintenant, il faut avoir beaucoup de chance. Bon voyage. Ou être de Hanza. J'aimerais bien voir ce truc. Oui, une tortue ninja qui est morte. Avec ses nombreuses stations. J'ai vu ça. Les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Et si c'est pas Hanza, je vais passer par les rouges, les fachos, sans oublier les bandits. Je trouve que le RR à Paris ressemble un peu à ça. Ils attaquent pas tous les autres, ils s'attaquent entre eux. Allez. Le pire, c'est Sébastopolskaya. En fait, j'ai même pas réussi à atteindre la station. Tout à coup, j'ai été paralysé par la peur. Et j'ai pris la peur. Allez. J'ai pas de corps! Oh mon dieu! Il est mon corps! Ralentissez, les gars! Peter, qu'est-ce qui se passe? Une caravane militaire est immobilisée près de Alexeyevskaya. Un éboulement ou un autre truc du genre. Vous devez prendre le tunnel de service qui contourne Alexeyevskaya. Un éboulement ou des cailloux qui sont tombés? Merde. Je déteste ce tunnel. Ce petit okay, tunnel. Peter, ouvrez cette porte. Inutile de rester ici plus longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce tunnel? Oui. Ben, c'est un tunnel ordinaire. Pas assez éclairé, peut-être. J'y suis passé le mois dernier. Oh, je l'aime pas, c'est tout. C'est nul. Lui, je l'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, il dit bonjour. Je l'aime bon pas. Voyage. On est sur une résine et on est armé. Donc on devrait y arriver. Ok. Ça va shooter. Alors. Ah non, c'est des champignons hallucinogènes. Bon sang, ma tête me fait mal. Si vous m'aidez avec ce levier, on ira plus vite. Non. Ok, Eugène, aide-le, on ira plus vite. Ouais, d'accord. Je garde l'arrière, Artyom. Voilà. Ok, pas de problème. On sera à Riga en moins de deux. Il y avait un truc qui était rouge là. Il faut partir d'ici au plus vite. Je trouve ça flippant quand ils nous rôdent autour. Ils me font pitié. Mais qui ça, il? Vous les entendez pas pleurer? Merci pour le conseil. Mais de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce qui se passe? Boris? Qu'est-ce qui m'arrive? Moi j'ai mis mon masque à gaz. Oh, ma tête. C'est quoi? D'accord, ça servait à rien. Ok. Cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Merci, Ambré. Eh, sacré bras, lui. Il a le bras long. Je viens en paix. Ouais.
Ami. Il s'intéresse ou quoi? Comment est-ce que ça sert pas? Les sombres. Allez. Non, alors je dirais il en manque un, on s'arrive là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Merde! Mais réveillez-vous! Réveillez-vous, bon sang! Boris! Boris, réveillez-vous! Boris! Merde, ça craint! Ah, mon Dieu! Ah! Allez, 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 hop. Tiens. Allez, 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 allez. Tiens, prends ça. Prends ça dans ta gueule. Merci. Je suis sourd. Ah. Alors. Il est pourri ton fusil. Oula, mais ils sont 14. Allez, barre-toi. You. Allez hop, allez hop, allez hop. Allez, descends toi. Oh putain. Allez hop. Ah ouais. Tiens. Hop. Wow, wow, wow. C'est quoi ça? Je suis mort? Non, c'est scripté. Ça fait 20 minutes de jeu et j'ai failli mourir déjà deux fois en script. Il y a des mecs qui ils veulent te sentir la mort quoi. Alors on va courir. Les balles sifflent. J'arrive, 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 vous inquiétez pas. Hop là. Bien. Alors, quoi? C'était chaud. J'ai besoin d'un verre. C'est quoi cette cloche? La station Reagan n'était que le Bourbon. Ah, avance un peu. Hey, il est content, le monsieur. Bon, les ouais. Gars, trinquons à la santé de notre ami Artyom, qui se fiche des monstres et phénomènes du genre. Ah, je Artyom. Peux acheter dans l'ensemble, c'est pas mal ça. À toi. Franchement, sans toi, Artyom, on aurait été littéralement. C'est quoi cette gueule de bagnard là-bas? Ou au moins des munitions. Tiens. Ah, dis-fais les munitions, ouais. Fais péter. À toi, Artyom. Fais péter les munitions. Artyom, à la tienne. Ah non, tu veux pas, c'est nul. Artyom, t'es vraiment immunisé contre ça? Bonjour, ouais, madame. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mutante, elle. Ok, on va vérifier ça. À notre bonne étoile. Et tu vas où, toi? À toi. Ah. Allez, à la vôtre. Elle tape, cette vodka. Allez, raconte. Faut tunnel vers le marché. Allez, on se casse. On est à mourir à rester planté là. On a franchi une sorte d'onde invisible.
On s'est tous évanouis. Quand j'ai repris connaissance, une horde de nos alliés s'était après nous. Mais merci à toi, Artyom, lui, il avait bien son accord. C'est ça. Si ce tunnel lui faisait rien, alors il tirait sur ce saloperie. Alors. Qu'est-ce que c'est, Portal Jumper? Des bandits. Je vois ce chic type aussi. Artyom, mission. Pas tous les tables, hein. Merci, mon ami. Je t'en prie. Tu as vraiment sauvé la vie. Ça me fait plaisir. J'ai mes droits. Laissez-moi sortir de la station. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je vis ou meurs? C'est toi, Artyom? Ouais, c'est moi. Je m'en fiche, crétin. Mais j'ai des ordres. Hé, y a un homme là-bas qui t'attend. Je t'y conduirai en échange d'une balle. Allez. Merci. On y va. Je suis sympa. J'ai tué une balle dans la bouche. Allez. Allez. Bien, merci. Ah, il faut vraiment fouiller partout pour récupérer des missions. Viens. T'es où? Suis-moi. Mais il est où? T'es où? Mais c'est toi, t'es où? Ah d'accord. J'arrive. Alors. Approche. C'est donc toi. Bah, bon, il y a qu'un mec. Attends. Voilà. Déjà. Allez, on va s'asseoir. On m'appelle Bourbon. Écoute. Bah, ben tu dois bon. Aller à la station aride pour notre affaire. L'estuaire est fermé. Allez. Mais je connais un chemin, un passage maudit que les habitants ont peur d'emprunter. Mais il paraît que ce qui se passe dans les tunnels ne t'affecte pas. Donc, tu m'aides à rejoindre aride et je te donne mon calache une fois là-bas. Ah ben voilà. Allez, c'est parti, on y va. Voici une avance, au cas où t'aurais besoin d'un peu d'équipement. T'es prêt? Allez, on y va. Inutile de rester dans ce trou. On y va. C'est parti. Alors. C'est par où? Oh, le mec il prend son temps. Hein. Ça te dérange pas si je marche à côté parce que t'es un peu lent quand même, hein. On se rapproche gentiment de la fin de l'heure. Qu'est-ce que c'était que ça? Ils étaient obligés. Je le sers, hein. Allez, hop. Ok. En entrant dans le tunnel abandonné avec Bourbon, je me demandais si j'avais eu raison de lui faire confiance. Mais bah, les non. portes de la ville étant toujours condamnées, c'était peut-être ma dernière chance de quitter Riga. Enfin, on est libre. Ouvre l'œil, le tour Andrésine est terminé. Beaucoup d'hommes sont morts dans ces tunnels. Et si on reste sur nos gardes, on y arrivera. Bah, t'as qu'à faire. Ça pourrait être sympa. Voilà. C'est qu'un simple rôdeur. Il bah attaque alors. Rarement les groupes. Et si t'es seul, méfie-toi. Ah, dommage. Fallait me le dire avant, ça, les gars.
Eh, il a pris cher lui. Munition. Ça va, Caron? Ben, il fallait avancer un petit peu quand même. Ben, il est 42 déjà. Faut que j'allume ma lampe. Alors, attends, je sais pas comment allumer ma lampe. Option du jeu. Non, c'est pas ça. Commande. Clavier. Non. Inventaire. Lumière. Ah, c'est. Voilà. C'est le vent. J'ai entendu parler de tuyaux qui chantent. On dit que si t'écoutes suffisamment. Tout le monde est parti du chat ? Tu peux entendre les voix des morts. Bah non. Oh. Pars pas si vite toi. C'est sûrement des trucs à piquer par là. Ouais. On fait peur, c'est con. Ah ! Connard. Mort de merde, mais sérieusement. Aïe, du con. Ça y est, mort. Eh ben. Bon, faut pas tomber dans les trous. Ah mais sérieux, celle-là, c'est un peu la garder celle-là. Je suis d'accord. Je sais pas, il y a un trou, je regarde dedans moi. Alors. Allez, on va retaper l'autre. Oh putain. C'était magique moi, je dirais. Je pensais que vous pouvez descendre ou quoi. C'est barré ce con. Attends-moi. Tu es là. Non, hein. Hop. Non, je peux pas passer par là, d'accord. Eh bah dis donc. C'est bien parce qu'en fait, dans ce genre de jeu, t'es le seul à ramasser des trucs par terre quand même. Hein. Personne ne touche à rien. Salut tout le monde. Alors, ceux qui viennent d'arriver, vous venez de louper un truc épique. Merde, caravane. Ils sont tous morts. Cette façon de faire, c'est les bandits. Et Hansa qui se targue de les avoir éliminés. Reste ça, c'est un piège. Ils vont pas nous laisser passer comme ça. Système d'alarme. Sommaire, mais assez efficace. Si tu veux arriver discrètement, évite de toucher les boîtes de conserve. Attends, je vais piquer des trucs encore où? Alors. On va pas toucher. Hop, hop, hop. Attention, tu mets les pieds. Ok. Le moindre bruit te trahira. Oula! Un fil de détente. Idéal pour se débarrasser des armes. Je le masque. J'ai saisi. Je le masque. Je le masque. Ok. C'était pas une bonne idée de se mettre accroupi. Alors. Hop là. Non. Voilà.
Je fouille tout. Ils se sont barricadés. Merde. Il faut qu'on approche. Tu peux te charger de la patrouille. J'ai des humains aussi. C'est quoi ce bruit? Hein? Alors. Eh, on dirait qu'il y a... Eh ben meurs toi. Sérieusement? Ils sont incroyables. Eh ben allez. Ah il y a moi lui. Hop. Allez. T'as un bidon qui fait faire boum là. Ils sont où? Ok, il est mort. Il ne reste plus qu'à là. Alors. Fouiller, fouiller, hop. T'as plus besoin. Qu'est-ce que c'est qu'il a lui? Non. Fusil canon, c'est pas terrible. Alors, celui t'as fini. Panap, panap. Ok, c'est tout? Bon. Toi du milieu toi, sérieux. Le mec il te passe devant, tu sais. C'était de la stratégie ça, comme ça. Bonjour, je vais passer devant tes munitions. Non. Ok. Non, hop, rien à piquer, c'est nul. Bah discret, c'est pas moi, c'est eux. C'est lui, enfin. Le pont est à l'endroit dangereux. Parce qu'il fallait se les faire quoi, à main nue? Il veut me pécho, il veut rester avec moi. Ah, il y a la lumière. C'est quoi ça? Chauve-souris. D'accord. D'accord, d'accord, je savais pas. J'ai loupé la marche. C'était l'homme qui tombe à pique. C'est ça. Ça, c'est ça. C'est pas moi. C'est moi? Ah oh, putain. Alors. Hop là.
Merci. Merci, merci, merci. Alors, ah, j'ai la main. Je mets la main devant les yeux. Voilà. Wow! Tiens! Poignard, moi! Hop! Hop, 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 hop! Merde! Tiens! J'ai un as du couteau, moi! Bah oui, j'ai une difficulté normale. Ils sont où? Ils sont où? Est-ce qu'on y va ou... Aïe. Eh hey. Tiens. Alors. Mince. C'est quoi l'histoire du jeu en fait? Ben je sais pas en fait hein. C'est... Il y a eu une apocalypse. Peut-être une... Peut-être une guerre atomique ou... Alors, bah oui, oui. Ok, ils sont partis. On peut y aller. On va faire pareil, on va faire un peu court parce que comme il y a le GLTGS, GLTGS ce week-end, ça va être un peu la course. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être un petit peu la course cette semaine, mais oui, pourquoi pas. C'est où? Hop là! Hop, hop, hop. Hop là! Eh ben! Peut-être une trousse de soin, là? Il n'y a plus de live avec tout le monde, c'est-à-dire. C'est-à-dire somme. On va tomber. Bah non. Wow, sacré balade. Alors bah ouais, au pire on décalera un autre jour. On verra. En fait, j'ai déménagé à Toulouse, moi, à Somme, donc pour l'instant, c'est pas prévu. Mais oui, c'est prévu. Ouais, je vais en faire un petit peu avec les copains ici. Faut que j'arrive à me configurer un peu tout ça. Eh oui, c'est une nouvelle ville, nouveau boulot. Ah ouais, d'accord, il a vu que moi. D'ailleurs, tu ta mère. En plus, ça crève pas, quoi, ça. Tiens. J'ai presque plus de piles. Ça me rappelle quelque chose.
Ouais, c'est pas possible en ce moment. Alors. Attends, on va économiser un peu la lampe. Hein. Et ça va bientôt être l'heure, donc je vais avancer jusqu'au prochain point de sauvegarde et puis. Ambray, il est loin le prochain point de sauvegarde, tu sais ou pas toi? Ouais, je t'ai pile. Cinématique. Ouais. Je passe sur la barricade. Comme si les nosalistes derrière ne suffisaient pas. On l'a coincé dans un cimetière. Artyom, trouve les corps pendant que j'essaie de le faire sortir d'ici. Hop. Ah ben voilà. Alors. Plein de trucs à piquer là. Ouais, trucs à piquer. Donnez-moi vos trucs, vous avez plus besoin. C'est marrant les mouches. Alors. Ouais, compte sur moi. Allez, gentil petit gris. Je te promets, ma belle. Je reviens pour te graisser et te repeindre. Bye, Sano. Oh, la grande porte. Je t'entends, tu m'appelles. C'est clair. Allez, j'avance. J'avance, ouais. Allez, allez. Ouais. Les effets de lumière sont vraiment très sympas, quoi. Ah, je vais lui mettre un coup de pied. Pff, non, je vais y aller tout seul. Bah, je suis mort. Mais non. Mais non. Qu'est-ce qui m'est arrivé, bon? Quelle mauvaise langue. Hein. Artyom, t'as entendu ces chansons? Je le souhaite même pas à mes ennemis. Les champignons hallucinogènes. Yamakasi! Je suis pas tombé! Alors, mais tout a sauvé. Hey, ils sont où les yeux? Alors. On a la station là, j'imagine. Et voici le marché. Voilà. Donc le corbeau va nous faire entrer. Ouais, je suis à la fin. Allez, tchop. Hey, c'est ce qu'on va faire. Ouvrez. Ne laissez pas vos frères. Allez, on recharge et on va sortir de la bestiole. Ok. Des grenades. J'ai des grenades. J'ai pas de grenades.
Ok. Oh putain. Allez. Oh putain, je suis mort. Attends. Préférence. Commande. Arme, grenade. Je sais pas où elles sont les grenades. Non, j'ai pas de grenade. Hein. Allez. Qui vous avez amené avec vous? Merde, nos Alice. C'est mieux sans le chariot. On va les tirer de là. Artyom, accroche-toi. Le sang est avec nous. Tu avais raison. Ok. Allez, recharge, recharge. Tiens, tiens, occupe-toi là. Meurs. Ouais. Hop. Eh ben... Ah, fusil à pompe. Pourquoi il a tiré sur quoi je t'avais fait un clic droit? Oh! Mais... Ah, attends. C'est comment j'utilise la trousse de soin, moi? Fais référence. Pour comprendre, ça doit être ça. Clavier, inventaire, masque à gaz, medipack. Alors c'est A. Ah. Fais ce qu'il demande. Quoi, c'est à la fin? Aucun humour. Non merde. Ouais, c'est pas terrible les canonciers en général. Quelle coïncidence! Je venais justement pour voir! Vous entendez les gars? On y va? Sortez l'argenterie pour qu'on nous rend visite! Oh, t'en vas pas, Bourbon! Il a un petit truc à finir! On revient te voir après! Ouais? Tu te souviens où tu dois m'attendre? Je me souviens! T'es sûr? Je peux te rafraîchir la mémoire, tu sais dit? Parfaitement! Je peux pas tirer ce chariot. Alors... Eh ben voilà. Et voilà, donc c'est fini pour ce live pour ce soir. Je n'avais jamais vu comme celui-là. Presque tout. C'est pas mal du tout, donc je pense qu'on va continuer sur d'autres lives et continuer l'aventure sur ça, parce que c'est plutôt sympa. Du coup, merci d'être passé pour cette petite heure de jeu, et puis on se retrouve mercredi pour un versus, alors je sais pas encore sur quoi. Si on se fait du Fear Online ou si on continue sur The Left 4 Dead. Et puis normalement lundi prochain. Donc d'ici là, passez une bonne semaine. Et puis amusez-vous bien. Et puis j'espère qu'on se verra. Si pour certains au TGS. Ce week-end. On a plein de trucs à vous montrer. Et on a le pilote de Challenger en version longue à vous montrer. Donc si vous pouvez passer, ça sera cool. Et puis sinon, passez une bonne semaine. Allez. Bye bye tout le monde.